Aïe aïe. C'est nul comme attaque en fait. Bon alors lui il s'est pris un chassé mon pote, laisse tomber. Après encore une fois Atreus il comprend pas hein, parce que moi au contraire Kratos il a pas envie qu'il devienne comme lui. Juste il Non c'est que ça fait mal ça. Oh j'ai 8 boîtes d'Idali là. Zinzin. Waouh, ce frisson. Est-ce qu'il s'atténue? Non, pas vraiment. Ma mère va vraiment avoir du mal à me garder à Asgard après ça. C'est pas bon. Le masque nous disait d'aller tout droit. Mais bien sûr, la voie est bloquée. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on entre. Ou qu'autre chose ne sorte. Je suis sûr qu'il y a un autre accès. C'est toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Faut que je retourne en arrière, c'est ça? Faudrait que je pète le sol. Bien fort. Joli. Comment tu as su que tu voulais être une Valkyrie? Un peu par hasard. Après une dispute avec ma mère, j'ai fondé en douce et vu leur entraînement. Chacun de leurs mouvements était net et précis, comme si elles savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Et à ce moment-là... On dirait que c'est par là. Le mec, il a complètement coupé dans, ce... dans son explication, tu sais. C'est trop lourd? Tais-toi, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. D'accord. Mal. Je sais. Comme je le disais, voir les Valkyries se battre avec force et avec grâce, sans faux semblant, ça m'a ouvert les yeux. Je savais où j'allais. Je n'avais aucun doute. Dommage que les géants suivent des prophéties. Peu importe. Trace ta propre voie, comme on l'a fait ici. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Faut que j'aille. Ça me paraît loin tout ça. Zloup, zloup, zloup. Derrière? Mais c'est de là que je viens. Non? Voyons voir. Ah, ok. Je me disais, c'est bizarre. Les portes sont cachées. Écarte maintenant. Écarte-toi, petit homme. Oh la meuf. Excuse-nous. Elle est coincée aussi. Mais je sens qu'elle cède. Bah vas-y. Je le sens. Quoi? Censé faire quoi? Hein? Ah! Oui, je vois ça. On n'y est pas. Après il est en hauteur, ça m'étonnerait que j'arrive à l'atteindre. C'est pas grave. Ah.
Faut que je fasse gaffe parce que le bouclier de Atreus il est pas le même que celui que Kratos a. Il a pas la même utilité. L'autre, j'encaisse les coups, lui je sais pas si je peux autant encaisser. Pas mal. On forme une bonne équipe. Oui. Et maintenant ? Apparemment c'est par ici, mais c'est bloqué. Et c'est encore bloqué. Ah ! Est-ce que tu peux monter ? Monter où ? Ah là ! Trouve un moyen de faire tomber la caisse de l'autre côté. Je t'attends ici. Je ne peux pas monter comme tu le fais. J'y vais. Ingrid, est-ce que j'ai été trop dur à propos de son grand-père ? Il faut qu'elle sache la vérité, non ? Oui, tu as raison. Mais, tu me parlais ? Non, je parlais à Ingrid. Ah. Je t'attends. Colère du loup. Voyons, où je peux avoir un meilleur point de vue sur cette caisse ? Je devrais la rejoindre. Ah rien, t'inquiète. Vas-y, le fil. Écrase-les. J'ai 1500 points de compétence que je peux mettre. On va acheter celle-là. Et merde, j'ai sauté derrière. Ah, y'a un truc c'était à ramasser. À toi de me le dire, c'est toi qui es déjà venu ici. C'était sûrement rien. On n'en avait pas l'air. Ouais, il faut qu'on sorte d'ici. Et le masque, on est tout proche. En plus, je crois pas qu'il soit dangereux. Enceinte de Gnifli. De Gnipalia. Gnipalia, je sais pas comment ça se dit. Tout ce qu'il veut, c'est sortir. Oh, c'est le monstre de... Ah non, c'est un loup. D'accord, commençons par l'entrave qui n'est pas précédente. Voilà. Il y a du sang sur sa gueule. Chut. Oh là là, on est dans la merde. Quelle idée, putain, de vouloir sauver ce truc-là. Il va nous péter la gueule. Il va nous éclater, je le sens. Quelle idée à la con de libérer un truc comme ça. Il y en avait une troisième sous sa patte. Ouais. Bah oui. Oh yaï, oh la patate. Ah bah tu vois, il a pas besoin de nous. Il avait pas besoin de nous en fait. Si on regardait dans la salle qu'il gardait. Une impasse ? Pitié, dis-moi que c'est dans l'eau quelque part. C'est... Tiens,
Il n'y a plus aucune réaction. C'est bien la première fois. Je t'ai fait confiance. Et on a libéré cette chose. Grand-père va me tuer. Il faut qu'on fuit d'ici, dépêche. Et ça se trouve, c'est le loup qui l'avait bouffé. Trude, attends. On l'a peut-être raté. Il est peut-être quelque part Trude, là-bas. Trude, c'est... ça va aller. Comment tu peux dire ça? J'aurais jamais dû t'écouter. Si c'est le... fait c'est erreur, Fenrir, tu crois? Je trouverai le morceau. J'avoue qu'en fait, j'ai pas entendu ce qu'il a dit au moment où ils ont parlé de le détacher. Et du coup, j'ai pas fait gaffe s'ils ont dit que c'était Fenrir ou pas. Tu es vraiment un imbécile fini. Tu sais que cette chose fait des trous entre les royaumes, pas vrai? Enfin, je suppose qu'on pouvait s'y attendre. Venant de deux bâtards, ne me traite pas de... Aïe aïe ouïe ouïe. Je t'appellerai comme je le voudrais, Minus. Laisse-le tranquille. C'était une erreur. Non ! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête. Tu l'as aidé, n'est-ce pas ? De quel côté es-tu au juste, sauterelle ? Viens là, je vais te montrer. Vas-y, pète-lui la gueule. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Oh. Vois-tu, les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce... de grosses barriques d'hydromel sur pattes. On recommence. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Alors soit. Voyons ce que tu vaux. Ouh, yaïe. Tu as encore bien des choses à apprendre, petite fille. À commencer par reconnaître tiens, et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une valkyrie. Oh. Oh. Alors, tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive? Oh. Allons, tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. Arrête! C'était pas loin. Trude! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir. Parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Oh, ça va être fantastique. Hugin! Oh, il n'est pas là. Allons voir dans son bureau. Oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé dans la queue. Ah, des fois, les mais gens... mon perso, il avance pas. Quant à toi... Putain, c'est chiant, ça. Ton incompétence me sidère. À tel point que je n'adore plus la nuit. Si tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que ça en serait presque... Quel bâtard. Attendrissant. Il possède une telle palette de défauts que ça paraîtrait presque attendrissant. Tu ne connaîtrais plus jamais la fin. Très bien, tout est de ma faute. Quel bâtard. De ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Le fameux père de tout. Nous avons beaucoup de choses à On va crever. Oh merde. D'accord, bah je m'en vais. Ma mission s'est déroulée sans accroc, père de tout. L'objet dont nous avions discuté. Ok.
Je vais les espionner. Je sais que tu écoutes, Loki. Ça ne prendra qu'un instant. Laisse-nous. Il est juste trop fort. Je voulais les espionner, merci, il est beaucoup, juste trop fort. Trude, je ne veux rien entendre. Tout allait bien avant que tu débarques. Je vais oh là là, mais voilà, c'est bien ce que je disais. Ce gros con d'Atreus. Déjà, il se fait nommer Loki par tout le monde. Et en plus, il... voilà. Détruit en tout sur son passage. Me manque. T'avais une maison, Ingrid, avant d'être ici. Quelqu'un s'occupait de toi. Je prends ça pour un oui. Je peux peut-être t'aider à rentrer chez toi. Sans tout faire rater, si possible. Ça te plairait ? Entrez ! Je sais pas pourquoi, méchant, il va nous péter la gueule. J'ai entendu la version de Heimdall. J'aimerais entendre la tienne. Raconte-moi. Ce n'était pas là. Je me suis trompé. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Mais relâcher Garm... Ah, c'est Garm qui s'appelle. Grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs... Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien, si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi, mais pas en ton entourage. Oh, et Ingrid. Ouais, c'est bon, tu peux la reprendre. J'en voulais pas, de toute façon. Ingrid, je dois partir. Loki, quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Hugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh, et tu salueras Mimir pour moi. Enfin, c'est la première chose intelligente qu'il fait depuis le début des deux jeux. Je suis surpris d'être soulagé de revenir ici. Si tu restes ici, tu risques d'attendre longtemps. Compétences. Bien sûr. Waouh. Il faut que j'utilise l'accès mystique au plus vite. Odin a raison. Libérer Garm. Quelle terrible erreur. Bien. Je peux pas m'enfuir. Cette fois, je vais devoir lui faire face. Oh, comment Kratos y va lui ? Alors, il y a deux solutions. Je serai bientôt rentré. Soit Kratos lui pète la gueule. Soit Kratos lui serre dans les bras parce qu'il est en mode « Vas-y, je suis plus qu'heureux de retrouver mon fils, j'ai pas envie de lui... » J'ai pas envie de m'énerver. Non, non, non. Ah. C'est toi. Ou alors c'est la merde. C'est toi. Protège-toi. J'arrive au tournant. Fais un ou deux. Atreus, fais attention. Je vais te faire. Parti chercher un moyen de retrouver. Tu permets?
J'adore le fait que pendant qu'il se passe des trucs avec Atreus, il se passe aussi des trucs avec Kratos. Et t'arrives au milieu du truc. Enfin, t'arrives au milieu de la scène, quoi, et. C'est sympa, hein, c'est bien. Mais sérieux, elle, t'as pas l'impression que je suis en plein combat là? À ton signal! Laisse ça, Riffa! Laisse ça, Riffa! Ouais! Un zombie! Ah bah, papa Cracra, il est revenu! Relève-toi! Aide Freya! Je vais les attirer! Yeah! YOLO! Yo Max, comment ça va? Oh, papa Cracra, il se sent pas bien. Est-ce terminé? Pas grâce à toi. Le mec, il arrive après la guerre. Où est Atreus? Atreus? Le fugitif est-il rentré apportant tout cela avec lui? Ça va et vous? Bah ouais, hein. Ça va bien. Quand il commence à faire froid. Ne bouge pas. Je vais bien, je te dis. Tu saignes. Oh, arrête un peu de geindre. C'est que normalement, il est passé où le gosse, hein? Est-ce qu'il est passé encore, ce petit con? Ah, il est là. Mérite. Oh, je vais te barfer. Comment dois-je t'appeler? J'en étais sûr. Je vais verser ma larminette. Et un petit câlin. Vas-y, mais balance-lui toute la vérité, putain, au bout d'un moment. Les Éléens, ils sont partout. Partout. Ce n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Il y avait un loup à elle. Il était enchaîné et je l'ai libéré. Et je pensais que si je... Garm ? Par les bourses d'Odin, tu as libéré Garm ? Par les bourses d'Odin ? Qui a libéré Garm ? C'est de la folie. Tu n'as pas fait ça, jeune homme. Si le molosse de Hel est libre, il va dévorer la trame même des royaumes. Les Éléens ne sont que le début. À quoi pensais-tu? C'est vrai. As-tu idée du bourbier dans lequel tu viens de nous plonger? Pourquoi as-tu commis pareille bêtise? Est-ce l'œuvre de Loki? Assez. Laissez-le. Atreus a commis une erreur. Une erreur que nous corrigerons ensemble. Waouh, papa Cracra! Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. J'ai eu ma dose de voyage à Helheim.
Oh, même Freya, elle est en mode putain, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Il y a un problème. Je ne sais pas si je peux retourner à Elaine. L'écureuil saura peut-être. Je dois vous parler immédiatement. La voix du Spartiate. Messieurs, veuillez pardonner ma brusquerie, mais les dernières nouvelles venues des Lime sont tout bonnement inacceptables. Je vous prierai de bien vouloir... Nous y allons. Essayez de ne pas tout faire foirer. Tu ne vas pas, tu sais, me gronder ? Non, je suis soulagé de te voir sain et sauf. D'accord. Wow. Je devrais m'en fier plus souvent. Atreus. Oh, mais... Alors, d'où vient ta nouvelle lance ? Brock l'a fabriquée, à partir de Dropnir. Et ça, c'est quoi ? C'est... un anneau. Mais quelle est son histoire ? Je l'ignore. Tu n'étais pas là pour poser la question. Allez hop, le petit coup en traite, le petit slash derrière l'épaule. Oh putain! Atreus. Pourtant il a l'air gentil. Je comprends pas pourquoi tout le monde l'aime pas. Pendant très longtemps. Ne lui fais pas de mal, d'accord? Une créature effrayée peut être très dangereuse. Oh, le pouvoir du vent, génial! On doit traverser avant qu'il ouvre d'autres brèches de royaume. Lingot Asgardien. Oh, ça, ça paraît sympa, ça. Odin t'a dit de libérer cette créature. Hein ? Non. Pourquoi ? N'es-tu pas allié à lui ? Ce n'est pas ce que tu crois. Quoi qu'il t'ait promis, ne lui fais pas confiance. Je sais, mais il a quelque chose que je veux. C'est dur à expliquer. Ouais, mais explique au bout d'un moment, en gros. Putain, approche pas de mon fils, enculé! Yo Sika, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que je l'aime mon fils? Dommage que la DAS existe pas. Il faut qu'on monte. La glace nous barre la route. Je m'en occupe. Oh merde. Le tranquille et toi? Bah ça va. Ça va, ça va. J'avance dans God of War. Putain, j'ai raté. Quel nul je suis, mais c'est fou ça. Oh là là. Attention. Bonjour. Passez une bonne journée à Sika. Putain, prends tout, voilà. Ouf. Oh les dégâts. Par contre, c'est pas mal, mais j'aimerais bien. Voilà. Journée tranquille. Tu dis que c'est dur à expliquer. Bah ouais, pareil hein. Pareil, toujours des complications avec mes lunettes. Et puis après, bah là, ça fait 5h30 qu'on est sur God of War. Donc au final, j'ai pas fait grand chose de ma journée, tu vois. Mais j'ai envie de le finir vite en fait. C'est compliqué. Tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ce qu'on aime. Et ne t'en fais pas pour Odin. En plus, là, je suis trop content parce que là, pendant deux semaines,
Le dimanche et le lundi, enfin, j'ai deux jours. Ça veut dire que pendant deux jours d'affilée, on peut stream là longtemps. Des complications avec tes... Oula, ah oui, donc faut... Ah, je vais t'expliquer, mais ça va prendre un moment. Alors... Dis-moi quand tu es prêt. En gros... Attends, je... Je sais pas si je vais... Est-ce que je vais réussir à faire deux choses à la fois? Oh, Naruto? Joyeux Noël? Ah oui, ok. Non, mais en gros... En gros, j'étais allé... Oh, Est-ce que je dis là? Ouais, je dis parce que je m'en vais plus. J'étais allé à Grand Optical il y a deux ans pour faire mes lunettes. Et là, j'y suis retourné. Ça fait un mois et demi, deux mois peut-être, j'en sais rien. Ça fait au moins un mois et demi. J'y suis retourné pour justement refaire des lunettes. Et vu que. Je me suis dit, ma vue elle a peut-être pas trop changé. Donc, du coup, j'ai fait un test des yeux directement sur au magasin de lunettes en gros. Donc, déjà pendant tout le test, ils ont eu des galères. Ensuite, j'ai choisi des lunettes rondes. Déjà, personne ici ne les appréciait. Hein, non, ça je tiens à le dire d'ailleurs. Hein. Je suis très déçu. Mais au final, vous aviez raison. Hein, parce que même moi, après, en les portant réellement pendant une journée, je me suis dit oula, c'est quoi cette gueule? Donc, j'aimais pas au final. Ensuite. Du coup, mais il y avait un problème de... Il y avait un problème, genre je voyais pas très bien avec les lunettes en fait. Genre vraiment pas. Aucun goût cet homme. Donc je voyais absolument pas bien avec les lunettes. Donc j'y suis retourné en... d'une part pour changer la monture parce que j'aimais pas. Et d'une autre part parce que je voyais pas bien. Donc le mec a regardé la monture et en fait il se trouve que ils ont eu... Ils se sont trompés sur le centrage des verres de 0,5 mm. Donc, ce qui apparemment est énorme. Donc du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de monture. Et en passage, ils ont refait les verres, etc. Alors, ensuite, le truc, c'est qu'ils m'ont pas prévenu que la monture était terminée. Du coup, j'ai attendu, je sais pas, au moins 2-3 semaines qu'ils m'appellent, alors que le truc était déjà fini depuis longtemps. C'est juste qu'ils m'ont pas appelé. Je vais les chercher. J'ai récupéré les lunettes du coup vendredi. Et quelle fut pas ma surprise de toujours rien voir. De voir moins bien que les verres que j'ai actuellement. Donc j'y suis retourné ce matin, déjà dans l'optique de me faire rembourser. Parce que en mode c'est bon, j'arrête tout, je suis mort. J'y suis retourné ce matin dans l'optique de me faire rembourser totalement la monture, les verres, enfin tout. Sauf que le problème, c'est que apparemment une fois que t'as payé, eh ben c'est mort. Tu ne peux plus annuler la commande. Donc quel fut pas mon seum incroyable. Je vais pas... Donc j'étais dégoûté et en gros le mec du coup on a refait des tests directement là-bas et en fait il se trouve qu'il y avait bien encore un problème. Donc sur deux fois ils ont réussi à faire de la merde. Sur deux fois ils ont réussi à faire de la merde et donc du coup comme je peux pas me faire rembourser et que je leur ai dit moi c'est hors de question que je garde des lunettes où je ne peux rien voir, les mecs ils m'ont fait écouter. Allez voir un ophtalmologue, comme ça vous faites un test de, vous faites un test pour les yeux quoi, plus approfondi. Moi comme un connard, moi au début je voulais pas être méchant, mais je l'ai dit, mais après je me suis rattrapé parce que dans ma tête ça sonnait pas méchant, mais quand je l'ai dit à voix haute c'était méchant. J'ai dit ouais je vais faire un vrai test, enfin je vais aller voir un vrai ophtalmo. J'ai vu le mec qui m'a regardé en mode. Toi, du coup après j'ai fait je veux dire un test plus approfondi quoi, avec des machines plus sophistiquées machin que le petit test que j'ai fait là quoi, histoire d'essayer de rattraper le truc quand même. Donc il m'a dit ouais, donc en gros là je fais mon rendez-vous d'ophtalmo
vendredi et tu appelles ça méchant. Brevis. Ouais, mais j'aime pas être j'aime pas dire ce genre de truc, tu vois, ça se fait pas, j'aime pas. En fait, quand je l'ai dit, j'ai vu que le mec il l'avait mal pris, du coup, j'ai voulu rattraper le truc direct. Parce que derrière, faut quand même que le mec il me fasse les prochains verres gratuits. Parce que donc du coup, en gros, là, je vais voir un ophtalmo vendredi. Je vais dépenser 80 balles parce que c'est putain de cher. Parce qu'ils prennent pas le tiers payant. Et juste après, donc j'ai rendez-vous à 9h30. Donc vendredi, je vous explique ma matinée qui est incroyable. Vendredi le prochain à 7h30, faut que j'amène Claire à la gare. Parce qu'elle va au marché de Noël en Allemagne ou je sais pas quoi. À 9h30, j'ai rendez-vous à l'ophtalmo. Juste après, vers 10h, 10h30, voire 10h45, ça dépend de combien de temps ça va prendre. Apparemment, ça prend environ une heure. Donc vers 10h30, 10h45, je vais retourner du coup à Grand Optical pour mes lunettes. Je joue, mais j'ai du mal à faire les deux. Et j'arrête pas de mourir. Et ça veut pas se lancer, si c'est bon. À 10h45 du coup j'ai re-rendez-vous du coup pour mes lunettes, pour donner la nouvelle ordonnance quoi en gros. Il va me faire les verres gratuits, etc. Enfin en même temps il y a intérêt parce que je vais pas repayer quoi. Voilà. Et à 13h30, faut que je sois à Carrefour pour commencer le taf. Autant vous dire, ça va être. Va falloir speeder quoi. Bon, deux fois ils font de la merde, t'as le droit d'être méchant, ouais, c'est vrai. Tu vas courir, ouais, je vais un peu courir vendredi. Ouais. Mais bon. C'est pas grave. Sauf petite chose. Ouais, voilà, exactement. Mais par contre, en vrai. J'ai été choqué de voir à quel point il y a des ophtalmos qui peuvent avoir un rendez-vous rapidement par ici. L'ophtalmo, genre là j'ai pris rendez-vous aujourd'hui, j'y vais déjà la semaine prochaine quoi. Alors que je me souviens quand j'étais encore à Calais, fallait attendre un an. Donc nous les rendez-vous c'est un an. Ouais bah voilà, moi j'ai été habitué à ça aussi. Et là, bah, ça a pris dans une semaine, là, je passe. Après, il y avait aussi des rendez-vous aujourd'hui. Mais le mec, là, putain, je suis encore mort. Et le mec, il y avait des rendez-vous aujourd'hui, je pouvais prendre. Mais en gros, c'était dans un centre de je sais pas quoi. Et le gars, il m'a dit, il m'a pas conseillé d'y aller parce qu'apparemment, c'est pas très réputé. Tu l'as eu en deux semaines aussi, toi? Ok, bon bah ça devient de plus en plus répandu du coup, hein, il y a peut-être de plus en plus d'ophtalmo, hein, je sais pas. Bon allez, là je me concentre parce que on n'arrête pas de crever. Non, il y en a de moins en moins. Ah ouais? Bon bah je sais pas alors. Peut-être justement ils se disent il y en a de moins en moins du coup enfin, j'en sais rien. Faudrait pas expliquer Les gens se soignent de moins en moins. Ah ouais bon, enfin l'ophtalmo. Encore le médecin généraliste tu peux ne pas y aller mais genre l'ophtalmo c'est. Enfin je dirais pas obligatoire mais quand même un peu. Non? Ouais tu m'étonnes. Mais pourquoi j'arrive pas à le buter lui? Touche pas mon fils en fait mec. C'est quoi là? On y est presque. Il
Nous au boulot ils pratiquent le tir payant donc c'est plus facile d'accès. Bah moi par contre là tu vois, non, moi je voulais le tir payant aussi, mais en fait là si je voulais le tir payant il aurait fallu que j'attende janvier. Parce que là du coup tir payant on est d'accord, c'est genre en gros t'as rien à avancer. T'as rien à avancer, c'est ça. Tandis que là en gros va falloir que j'avance et va falloir que j'attende le remboursement si je. Si je comprends bien c'est quoi le tir payant. J'en serais capable. Oh, ça fait plaisir de l'entendre. Réponds. Que faisais-tu à Asgard? Je traduisais des choses pour Odin. Accessoire de la hache. J'ai trouvé un masque et une brèche Merde. Ouais, en gros, c'est ça, ouais, ok. Et c'est un peu... Donc, du coup, bah ouais, là je. Oui. Mais oh, j'ai raqué. Rencontré des gens de mon âge. Des amis. Mais ouais, les lunettes c'est méga cher, hein. T'imagines déjà toi 300 balles, 550 pour ta mère, Fleur, c'est insane, hein. C'est trop cher. Peut-être, mais j'en ai marre de me sentir seul. Atreus. Si on trouvait comment marche cette porte. Le bouage se bloque quand la porte est levée. Il coupe l'histoire en plein milieu. Ça continue, tu auras plus besoin de lunettes. As-tu une idée ? Je pourrais utiliser mes nouvelles flèches. Elles enchaînent les éléments. Je peux pas le dire que t'avais des nouvelles. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Attends, parce que laisse-moi réfléchir à comment ça marche tes flèches. Ah oui, ok. Je crois qu'il va nous falloir plusieurs sauts. Ouais. Gel autour de la porte. Un autre arrive à gauche. Allez, je repars dans l'ombre à toutes. Yes, à toutes, Aro. Derrière toi, regarde. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Trop cher en vrai. Des fois, je peux pas les taper parce qu'ils sont trop gelés. Du coup, je suis obligé de changer d'arme. Tout est de ma faute. Mais non, dis pas que c'est de ta faute alors que c'est de ta faute. Oh la merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, j'ai gâché une pierre, putain. Attention ! Putain. Pourquoi je dois venir là au fait ? Je sais même pas. Il y a un truc de soin ici. Let's go. Ah mais faut que j'aille là en fait. Ah d'accord. Ok, j'ai compris. Je vois une encoche dans le pilier là où tu devrais pouvoir loger ta lance. Et à partir de la meilleure.
Il me faut de la vie là parce que j'en ai plus hein. Je vais mourir. Est-ce que je peux l'attraper ou pas? Ha! Merde! Le mec, j'ai balancé par-dessus bord. Hop là, ça dégage. Où ça? Ah là-bas. Mais je peux pas. Ah ouais. Le bordel qu'il fait quand il meurt. Ah, je peux toujours pas. Ah si, quand même, j'allais dire. Comment vous trouvez-vous le jeu au final? Ah, j'ai pas dompté la bête. Oh, ça fait des dégâts de fou furieux, ça. Série de coups, lame qui balaye, brûle les ennemis à proximité, appuyez à nouveau sur R2 pour donner plus de coups. Et ça, c'est quoi? Allez. On va prendre ça, je trouve que c'est mieux, c'est plus intéressant. Cyclone du chaos. Et j'ai le châtiment d'Hadès. Ouais, c'est le truc que j'avais tout à l'heure. Ça c'est quoi déjà? Ah oui. Donc ça c'est intéressant, ça j'aime bien. Rage spartiate. Le courroux. Bravoure. Ah oui, c'est le truc qui me permet de regagner de la vie. Ouais. Compétences. Là j'ai quasi tout. Là par contre j'ai pas tout. Donc il va falloir 4000 balles. 4000. Incroyable. On va prendre celui-là. Alors. Okay. Oh là là, oh là là. Atreus, je ne veux pas que tu te sentes seul. Mais ta décision d'aller à Asgard. Aide-moi à comprendre. Odin ne souhaite pas le Ragnarok. Je sais qu'il n'est pas digne de confiance, mais j'avais besoin de lui. Je t'aurais aidé. Bah oui, mais le problème, Krakra, c'est que tu peux pas. Hey, il est ici. Tu peux pas l'aider en fait. Il veut pas que tu l'aides. D'accord. Tout va bien, mon grand. Tout va bien. T'es sûr que c'est Fenrir? Calme. Attends, vous voulez juste. Parce qu'ils l'ont appelé Garm tout à l'heure. Pour ça, je demande. Ça se trouve c'est Fenrir aussi hein, on sait pas. Maintenant Ça va bien? Non, je vais pas bien, il va me tuer. Wouah, celui-là on l'avait jamais vu. Ah oui, y en a qu'un seul de loup géant dans la mythologie nordique. Oh là là, ça fait mal. Enfin, j'espère. J'espère que ça leur fait mal. Bien, on peut se glisser ici. Parce que tu vois, il l'appelle Garm. Il l'appelle pas. Comme Fenrir. Ouais, je sais pas. Si Odin souhaite réellement empêcher le Ragnarok, alors nous sommes d'accord. Ah oui?
Alors c'est pourquoi on va regarder sur internet, voir si Garn ça existe vraiment ou si c'est un truc qu'ils ont créé dans... Ils sont morts. Bien vu. Derrière toi, attention. Oh, vu qu'il est tombé, je le touche même pas. Derrière toi, regarde. J'aime pas les affronter. Ah, il a l'air énervé. Aïe. J'ai fait tellement pas de dégâts. C'est une dinguerie ça. La moitié de sa vie. Voilà. Oh merde. Y'a de la vie là-bas. Ouh. Oh putain. S'en bat les couilles hein. Non, putain, j'allais le tuer, il était à sa fin de vie, l'enculé. Ah. Putain, je sais pas c'est quoi ça, mais on va faire gaffe. J'ai l'impression, mais ma hache fait moins de dégâts sur lui. Alors c'est peut-être qu'une impression. Hein. Non, c'est vraiment pas une, qu'une impression. Hein. J'en suis sûr même. Oh genre, je suis à 10 mètres de toi, frère. J'avais pas ça tout à l'heure. YOLO. Je vais regarder sur internet si Garm ça existe. Dans la mythologie. Garm mythologie. Et t'as un... Ah c'est même pas un loup en fait, c'est un chien. Dis-moi, pourquoi la lance ? Je me suis confié. À ton tour. Il garde l'entrée vers les mondes des morts. C'est un peu comme... un peu comme... comment il s'appelle ? Comment il s'appelle déjà le Cerbère dans la mythologie grecque, le chien à trois têtes qui garde les enfers, c'est un peu pareil. Ouais voilà, Cerbère. Mmh. C'est son cousin. C'est à peu près ça, ouais. Voilà. Allons-y. C'est à peu près ça, c'est son cousin. Ils se, rend, ils se retrouvent, ils font un méchoui. D'ailleurs, Tu me promets de pas le tuer. Dans la mythologie égyptienne, y a pas, de ne pas une similitude à Cerbère et à Garm, du coup. Il me semble pas, ça me dit rien. Après, je connais pas trop. Vraiment, la mythologie égyptienne et nordique, c'est vraiment les deux mythologies que je connais pas du tout. Encore grec, ça va. Mais c'est vrai que nordique et égyptienne. Derrière toi.
C'est une impasse. Mais il y a une encoche dans le mur. Oh, faire un trou juste pour mettre de l'argent. C'est vraiment nul. Hein. En fait, j'arrive à décaler mon joystick au moment où je dois tirer. En fait, c'est ça le problème. Salve de coup perforant. Putain, j'ai cru que c'était Anger Boda. Moi je veux des explications sur Anger Boda quand même. Comment elle a fait pour venir à l'endroit où on était, j'improvise, etc, etc. Moi je veux des infos. Mais moi ce n'est pas ça bizarre. Tu ne peux pas tromper autre Oda. Truc qui reste là, quand même encore incompréhensible. Oula. C'est vrai qu'on dirait un loup quand même. Par contre, je t'en fous, j'allais dire. Je vous avoue que. Je vous avoue que je préfère Garm à Cerbère. Oh, genre. J'arrive, petit chien, j'arrive. Je vais distraire Garm. Toi, tu gèles ses chaînes avec ta hache pour l'empêcher de fuir. Et tu les fixes à quelque non, chose. C'est trop dangereux. Ça peut marcher. Allons-y. Mais j'ai envie de l'enculer, putain. Je vous jure, ce gosse, si c'était pas mon fils, la vie de moi, je le frapperais. Putain. Alors attends, parce que comment je dois faire? C'est ici le maillon de la chaîne. Bah j'arrive pas. Maillon. Ah! Pardon. Le maillon c'est ça. Je... Trop con le type. Ah merde. Salut. J'ai l'impression qu'il est pas content le gosse. Transformation. Odin t'a-t-il appris à la contrôler? Non. Nous n'utiliserons pas ce qu'il t'a appris. Nous le ferons à ma manière. Oh, il est jaloux. Il est jaloux. Ah, je peux comprendre qu'il aime pas. Hein. Allez, au prochain. M'étonne qu'il a pas envie d'utiliser des trucs qu'Odin lui a appris. Faut comprendre hein, après. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu ne l'as pas fait exprès au moins. Que fais-tu de la confiance? Pardon, c'était pas juste. Mais je pensais que ça marcherait. Patience. Vous y arrivez. De moi, mais y'a rien, c'est un caillou, frère.
manger à toute pièce, ah putain. Bon app. Bon app, bon app. Vous mangez-vous? Vous mangez-vous? Oh là là. Ça devient grave. Hein. Nous avons le pouvoir d'empêcher cette créature de causer du mal. Vous mangez quoi, vous, les gens, sur le chat ce soir? Oh! À la base, on est censé le. Juste le. Oh là, je suis en train de l'enculer. Le pauvre, il vient de se prendre deux lames du chaos dans la truffe. Salut! Ça va? Du coup, je voulais pas. Oh, y a... Oh, vous avez vu l'esquive que je viens de lui faire? Eh ouais, mon pote, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me tester ou quoi? Je suis un dieu de la guerre. Non, je rigole. Arrête, arrête! Non, dans ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, un dieu de la guerre, moi, j'ai pas peur. Prochaine à qui? Aïe aïe. Oh. Ce qu'il vient de me mettre dans la gueule. Ouais, oh, t'inquiète, on va la geler, ouais. Je vais mourir. Gèle la chaîne. Vite, la chaîne. Qu'est-ce que je dois faire après? Ah oui. Je vais mourir par contre, y'a pas de la vie là quelque part. Oh merde. Tartiflette. Ah bah je suis mort. Moi en train de courir vers Après je sais ce qu'il faut faire maintenant. Sika qui ne sait pas ce qu'elle mange ce soir. Bah bravo Sika. Oh. Wesh. T'es un malade. Tiens, récupère ta merde. Enculé. Il est fou celui-ci. Aïe. J'aime pas taper les chiens, mais je vais être obligé. N'aie aucune pitié. La SPA. Je suis en train de me dire un truc. Est-ce que c'est pour ça que justement il y a une association de protection contre les animaux qui porte plainte contre les développeurs de God of War pour maltraitance envers des animaux? Putain, me dites pas que c'est pour ça et pour l'ours du début du jeu quand même. J'aurais, yes. Que tu sais ce que tu vas manger? Moi je sais pas ce que je vais manger, moi. Moi je mange rien. Oh putain, j'ai esquivé trop tôt. Ouah, y'a ce qu'il m'a mis dans la gueule. Chercher la vie là parce qu'on en a besoin. Ah putain. Il a pas l'air content. Non, sans déconner. Il joue la mitraillette. En vrai, il est plutôt cool comme mob. Wouch. Ce qu'il m'a mis dans la gueule. Elle est où le... Oh, il y avait du huile, il a disparu.
Edwil, ça, il a disparu, putain. Mon propre fils qui me demande si je suis une merde. C'est dingue ça quand même. Je lui mets 0 dégâts, la vie de ta mère, hein, sérieux. Je vais mourir en plus. Putain, je suis devin. Oh, ça remonte tellement loin, sa barre de vie. Moi je fonce dans le tas maintenant, je m'en bats les couilles. Ouais, je pense que ça va pas le faire. J'ai raté en retard. J'ai raté en retard. On va le tuer. Bon bah voilà. Après il avait des dents en moins apparemment. Bon. À la base, on devait l'enfermer, mais au final, on l'a buté. Pas mal aussi. C'est terminé. Je regrette qu'on ait dû en arriver là. Il y a que 8% des joueurs qui ont commencé God of War qui ont eu ce succès. Donc ça veut dire qu'il y a que 8% des joueurs qui ont commencé le jeu qui sont arrivés à cet endroit-là.